Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY. Donc un DIY en rapport avec ce qui va arriver prochainement, que nous attendons tous avec impatience. Vous n'avez pas deviné. Un DIY calendrier de l'Avent sous forme de livre des potions. Voilà. Donc comme j'aime beaucoup ce bouquin, je me suis dit pourquoi pas, hein, à la rigueur, d'essayer de faire un calendrier que j'apprécie. Et un calendrier pour le mois magique. Hein, ça, on ne peut pas faire plus magique. Voilà. Donc si vous souhaitez reproduire ce DIY, je vous laisse avec le restant de la vidéo. Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin de peinture. Donc j'ai pris personnellement du vert, du doré et du noir. Après vous pouvez choisir d'autres couleurs si vous le souhaitez. Un cutter, de la colle, une paire de ciseaux, une règle. Alors j'ai choisi personnellement de prendre des stylos argentés pour pouvoir repasser les détails. Et puis donc après j'ai mis un crayon à papier, un stylo donc en fonction pour pouvoir tracer par la suite sur le carton, que je vous montrerai après. Et j'ai également pris un rouleau en bout mousse pour peindre, parce que je trouve ça personnellement plus pratique. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un pinceau large, ça fera aussi bien l'affaire. Vous aurez besoin d'une boîte en carton, type boîte à chaussures de préférence, de taille moyenne. Vous aurez besoin de deux chutes de carton, et également d'imprimer la page de couverture du livre des potions, en fonction de la taille de la boîte que vous aurez choisie, et également d'imprimer la première page du livre des potions. Dans un premier temps, couvrez bien la table ou l'endroit où vous allez faire ce DIY pour éviter les mauvaises surprises. Et nous allons découper les trois côtés qui sont sur la boîte, la partie du haut. Après, vous pouvez les garder, hein, c'est comme vous souhaitez, mais moi, je pense que ce sera beaucoup mieux sans. Après avoir fini de découper proprement la partie du haut de la boîte, nous allons découper la fiche proprement également. Nous faisons la même chose pour la première page du livre des potions. Après avoir découpé les affiches et mises de côté, je prends mon petit nécessaire de peinture et je vais commencer à peindre les parties en noir, où j'ai simplement annoté noir sur la boîte. Donc je vais peindre le dessus de la boîte en noir. Et également sur le côté en noir. Donc c'est les deux endroits où je vais peindre. Ensuite peut-être sur l'intérieur de la boîte, je suis en train de voir. Et d'étaler, de faire une couche uniforme, sachant que peut-être qu'il faudra une deuxième couche. Ça c'est après à vous de voir. Moi personnellement je pense qu'une couche suffira. J'ai peint en doré sur trois côtés de la boîte, donc je vais laisser sécher la première couche et en refaire une deuxième pour qu'on puisse plus voir les inscriptions. Et ensuite, je m'occuperai de l'intérieur de la boîte. Après avoir terminé de peindre les trois côtés en doré de la boîte, donc maintenant ça ressemble à ça, donc il y a du doré, du noir. Voilà, je vais peindre l'intérieur en vert. Donc après, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Hein. Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. J'ai également fait des séparations avec les cartons. Donc les cartons que je vous ai montrés en début de vidéo. Donc je vous montrerai ça plus précisément. Donc j'en ai fait 4 comme ça. La verticale,
et 6 à l'horizontale. Voilà, donc j'ai déjà découpé ça et j'ai mis de côté. Donc là, je vais m'occuper de peindre maintenant l'intérieur de la boîte. Je vais tout remplir en vert. Je vais faire tout l'intérieur, également ce côté-ci. Même si je vais coller quelque chose par-dessus, mais j'ai envie que ce soit vert en dessous. La peinture est sèche, donc j'ai peint l'intérieur en vert sapin, vert forêt quoi. Voilà. Donc j'ai peint l'intérieur et puis le couvercle ici, malgré le fait qu'ici je vais mettre une affiche. Voilà. Et j'ai les petites fixations, vous savez, pour faire les cases là dont je vous avais parlé. Voilà, donc je vais essayer de fixer ça avec de la colle de bricolage. Voilà, donc première alternative, si ça ne marche pas, j'ai un pistolet à colle en fait que j'ai pris chez Action. Donc au cas où vous en cherchez un, franchement ça coûte pas cher. Je l'ai eu pour même pas 3 euros. Pour coller les lamelles en carton que je vous avais montré précédemment, j'ai dû utiliser finalement un pistolet à colle. Donc je vous le recommande vivement parce que la colle que j'avais là, clairement ça tenait pas du tout. Donc heureusement j'avais mon pistolet à colle, m'a sauvé la vie. Du coup il a fallu que je colle les lamelles horizontales. Je pense que vous verrez mieux comme ça. Voilà. Donc j'ai collé les lamelles du point de vue horizontal et après j'ai mesuré à chaque fois en fonction de la longueur de la boîte. J'ai fait des encoches sur les lamelles horizontales et sur les étagères que j'ai mis ensuite. Voilà. Donc là j'ai fait 24 cases. Je vais peindre les étagères, donc moi je voulais que ça fasse un effet bois comme ça, donc j'ai laissé le carton brut tout simplement. Donc pour que ça fasse vraiment étagère en fait, comme dans la salle de Rogue. Pour les pochettes, j'en ai fait 24 comme je vous l'ai dit. Donc j'ai repris en fait des chutes de papier cadeau que j'avais acheté chez Primark. Voilà, du papier cadeau Harry Potter, carte du maraudeur. Et du coup, j'ai utilisé ce qui me restait. Donc comme quoi, voilà, on peut réutiliser ce qu'on a à la maison pour faire des choses. Pour faire les pochettes, donc j'ai simplement agrafé, hein, voilà. Et à l'intérieur de chaque pochette, j'ai mis une question en rapport avec la saga Harry Potter, donc il y a 24 questions. Et voilà, ça permet un petit peu de jouer, donc je ferai ça avec le Griffon d'or et chacun de nous, un jour sur deux, ce sera ou moi ou lui qui sortira la question, qui devra y répondre. Voilà, donc je trouvais ça amusant comme ça de faire un petit quiz autour d'Harry Potter sous forme de calendrier de l'Avent. Ça change des calendriers de l'Avent avec de la bouffe ou des jouets, donc voilà. Et sur chaque pochette, j'ai noté bien sûr le jour. Donc après, je vais les mettre dans l'ordre, mais vous pouvez les mettre dans le désordre sur la boîte. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc j'ai collé le devant du livre. Ensuite, j'ai fait la tranche, voilà, le côté. Et là, je vais faire le derrière, donc toujours avec la colle classique, hein. Voilà. Vous collez, vous laissez sécher. S'il y a besoin de remettre une autre couche de colle, vous regardez au niveau des coins, parce que parfois, comme là, par exemple, il va falloir remettre un petit peu. Et du coup, par la suite, je vais vernir le dessus, la tranche et le côté pour faire vraiment un côté... Moi j'aime bien le vernis mat en particulier, ça donne un aspect assez, assez lisse et puis assez ancien. Voici ce que donne le calendrier terminé. Donc nous avons la couverture du livre des potions. Ensuite quand vous ouvrez, vous avez la première page. Voilà comme ceci et les petites étagères. Avec les pochettes à l'intérieur. Voilà, donc j'ai inséré vraiment des toutes petites pochettes puisqu'il s'agit en fait, comme je vous l'ai dit, de questions numérotées de 1 à 24. DIY est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.